Merci Seigneur. Merci pour ces instants précieux. Nous voulons nous recommander à toi et te prions de nous parler. Seigneur Dieu de grâce, en toute humilité, je me lève du haut de ce prêchoir tout en reconnaissant l'autorité établie. Permets-moi, Seigneur, de m'associer à cette onction qui œuvre en ces lieux par le canal de l'ange que tu as établi afin de bénir ton peuple. Seigneur, trouve la meilleure place dans ce moment. Toi, sois le véritable enseignant qui parlera à nos cœurs pour booster nos vies afin de préparer une église puissante, une épouse qui a des regards fixés à l'annonce du retour de l'époux. Merci de faire ce que tu as prévu faire. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. 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 Ta manière d'applaudir me dérange un peu déjà. Merci. Matondi. Permettez-moi d'apprécier ce que Dieu fait. Le fait qu'il nous ait conduits encore à Kinshasa après plus de 3 ans. Les frontières sont fermées, c'est difficile. Mais il nous permet quand même de travailler pour lui. Avec la valise en main. Et aussi, je voudrais apprécier la vie du pasteur Jean de Dieu. Vous savez, c'est un challenger. C'est un homme qui me défie. Vous savez, quand vous n'avez pas de répondant dans votre vie en face, alors vous allez penser que vous faites un bon travail. Mais quand vous regardez ce que l'autre fait, alors vous vous rendez compte que vous êtes encore en arrière. Et je sais apprécier cet homme pour qui j'ai beaucoup d'amour. J'ai cité le pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Nalobi pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Amen. C'est un homme qui est non seulement ordonné, azali motokar ya alimate, mais aussi organisé. Kasi ayebi kobongisa makam. Kasi ya beaucoup de gens ordonnés. Ebele ya bato bazali na kati ya alima. Mais pas organisé. Mais lui, il a les deux. Alors on va comprendre c'est quoi la différence. Quand vous arrivez ici à l'église, pour vous qui priez ici chaque jour, vous ne pouvez pas tout apprécier. Mais pour nous qui venons de temps en temps, on peut comprendre qu'il n'y a pas de monotonie. Que les choses avancent. De toutes les façons, même si tu ne dis pas Amen, ça n'engage que toi. Yes. Amen. Et aussi savoir apprécier sa charmante épouse, maman Vanessa. Oui, ben à cause de peine à moi, c'est bien qu'il toque maman Vanessa. Ce n'est que normal que nous puissions apprécier ce que Dieu sait faire. Amen. Alors nous allons nous asseoir, merci. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 23. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. C'est un psaume que
Tout le monde peut lire, ou plutôt peut citer sans avoir lu. Mais c'est le texte principal de notre enseignement durant toute cette semaine. Pasteur, merci pour l'invitation encore. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Toute la vie chrétienne est résumée dans ce verset. Toute cette semaine, nous parlerons d'un thème important. Une église en bonne santé. Une église en bonne santé. Alors nous allons verset après verset voir la pensée de Dieu par rapport à une église en bonne santé. Et celui qui écrit le texte, c'est un homme qui a expérimenté une véritable relation entre une brebis et un berger. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même David. Il a donc passé du temps avec des animaux. Extrait de l'affection paternelle dès son jeune âge. Il a été vite poussé vers une vie de responsabilité. Alors que beaucoup de jeunes gens de 17 ans attendent les foufous dans la maison de leurs parents, lui, à 17 ans, il est initié à une vie de responsabilité. Vous savez, nous sommes dans une génération à problème. Une génération où jusqu'à 20 ans, on est encore petit. Une génération jusqu'à 25 ans, on est encore enfant. Une génération où quand on arrive dans une église, le fait de trouver un pasteur, on l'appelle papa. Alors on pense désormais que nous sommes tellement enfants parce que le papa est là. Vous savez, la vie est répartie en plusieurs classes. De 0 ans à 5 ans, c'est l'âge de l'initiation à la... au verbage de la vie. Scientifiques nous disent que de 0 ans à 5 ans, l'enfant apprend plus de 550 000 mots qu'il emmagasine dans sa tête. Et ce sont ces 550 000 mots qu'il va utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Donc de 0 ans à 5 ans, c'est l'âge où nous apprenons le verbage. On apprend à parler. Maintenant de 6 ans à 19 ans,
C'est l'âge de l'instruction. C'est l'âge où on va à l'école. C'est l'âge où on va apprendre. C'est là où on cherche à s'instruire. C'est l'âge où on cherche les repères de la vie. Parce que l'être humain est un voyageur perdu. Tu n'as pas choisi de naître congolais. Tu t'es retrouvé congolais. Donc ce n'est pas ton choix. Combien même s'il fallait demander à Dieu quelle serait ta destination. Certainement tu étais programmé à naître congolais. Et donc te retrouvant au Congo, tu vas voir un homme et une femme et tu les appelles papa et maman. Et tu vas commencer à les aimer comme ça. Et c'est dans cette maison que tu vas apprendre à avoir des repères. Tu vas aller à l'école pour avoir l'instruction. Parce que tu as trouvé un monde organisé. Il te faut avoir les repères pour vivre dans ce monde. Et les références, tu les trouves à l'école. Certains n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Eh bien, ils les trouvent au pied des anciens. Donc jusqu'à 18-19 ans, c'est l'âge de l'instruction. De 20 ans à 30 ans, c'est l'âge où on se cherche. L'homme doit apprendre à se chercher. Il doit se chercher. C'est à l'âge là qu'on tâtonne. On n'est pas trop sûr de ce que demain va être. Mais c'est une étape, une fourchette de la vie qui est définie comme ça. Et pendant que vous êtes en train de vous chercher, c'est à cet âge là que tu dois déjà savoir quel métier tu feras dans la vie. C'est à cet âge là qu'on commence à réfléchir avec quelle femme on va vivre. C'est à cet âge là qu'on commence à réfléchir avec quel homme on va vivre. Mais on ne commence pas à faire ce genre de calcul à 30 ans. Parce que le faisant à 30 ans, ça veut dire que tu as tellement brûler les étapes que tu es perdu. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous sommes en train de nous consoler. Où vous voyez des gens de 25 ans, 30 ans qui ne sont pas fixés. Et ils viennent à l'église, ils écoutent un évangile qui leur dit, ça va aller, espérez encore. Et on est en train de vieillir, on ne se positionne nulle part. Ni dans un métier. Ni dans une relation. Rien n'est tracé. Et jusqu'à 30 ans, on n'a pas d'enfants. On n'est pas organisé. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est notre faute. C'est aussi la faute du type d'évangile que nous écoutons. Raison pour laquelle nous parlerons aujourd'hui et cette semaine des choses. En tout cas, acheter l'assurance contre l'incendie, contre les flammes de la vérité, parce que nous allons essayer de nous dire un peu beaucoup de choses. Amen. Et je sais que vous êtes habitués parce que vous avez un pasteur qui a le verbe. Amen. Et ça, vraiment, je n'ai pas peur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, de 25, de 30 ans à 40 ans, on travaille pour sa stabilité. On commence à travailler pour la stabilité. Ce n'est pas à 40 ans qu'on commence à réfléchir. Comment je vais avoir un enfant? Si tu as raté à 30 ans, eh bien tu es en retard. Parce que selon la loi, à 18 ans, une femme n'est plus
mineur. À 18 ans, on n'est plus mineur. Quand vous allez à la mairie à 16 ans, aucun maire ne va célébrer ce mariage. Mais c'est à 18 ans qu'on devient une femme. Et pour les hommes, c'est à 21 ans. À 21 ans, c'est fini. Vous devenez monsieur. Et à 40 ans. À partir de 30, 40, on travaille pour la stabilité. On commence à réfléchir. Je dois avoir une parcelle. Je dois rassembler des briques. C'est pour cela qu'il ne faut pas se caresser. Non, ça va aller. Vous savez, la vie est dure. Non! La vie est faite de fourchettes de temps. Et à partir de 40 ans, jusqu'à 50 ans, on rentre dans la jouissance. On commence à célébrer la vie. Parce que tu as eu le temps de faire des enfants. Les enfants sont allés à l'école. Maintenant les enfants ont grandi. Vous devenez des amis dans la maison. Et c'est ça. Amen. Et après tu fais la fête. Donc à un certain âge, on ne fait pas la fête. Parce qu'on bâtit la vie. On la construit. L'avenir ne nous est jamais donné. L'avenir nous est demandé de le construire. On ne fantasme pas sur l'avenir. On ne rêve pas les succès. Les succès se préparent. La réussite se prépare. Arrêtons de faire de la vie comme des actes, de vivre la vie comme des accidents. Les chrétiens sont devenus comme des accidents d'existence. Ils ne préparent rien. La preuve en est que certains même ne préparent pas leurs vêtements de la semaine. Ils ne savent pas ce qu'ils vont porter mardi, ils ne savent pas ce qu'ils vont porter mercredi. Ils ne prévoient pas. C'est quand ils commencent à sortir qu'ils vont chercher une chemise, chercher le fer à repasser, et c'est là qu'ils commencent à repasser. Et quand il n'y a pas le courant, ils commencent à insulter les chefs de l'État. Ah, ces pays-là, vraiment, même le courant, il n'y en a pas. Mais quand il y avait le courant, si tu avais déjà préparé ta tenue, tu avais repassé, même s'il n'y a pas d'électricité, tu es pressé, tu prends, tu portes et tu t'en vas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc, David, un petit garçon, 17 ans, initié à la responsabilité. Quelqu'un va dire après moi responsabilité. Responsabilité. Ça c'est le premier point. Une église en bonne santé est composée des hommes et des femmes responsables. La responsabilité ne commence pas par le nombre d'enfants que vous avez. La responsabilité, ce n'est pas une veste qu'on porte. Tu as une mallette, tu as mis les lunettes vie claire. Et tu changes de démarche. Je suis un responsable. La responsabilité, ce n'est pas ça. La responsabilité, ce n'est pas les cheveux blancs. La responsabilité commence par le respect des engagements. Le respect des engagements. L'église est malade parce qu'elle est remplie des uns et des autres qui s'engagent mais qui ne respectent pas leur engagement. C'est toi-même qui as accepté de suivre Christ. Et jamais dans la Bible il est écrit, donc la Bible ne dit pas, voici je me tiens à la porte et je défonce la porte. Non.
La Bible est claire. Je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi il frappe? Le propriétaire d'une maison qui est à la porte et qui frappe. Donc ce n'est pas un monsieur qui brutalise les gens. Dieu est un Dieu d'engagement. Il s'est engagé à aimer l'homme. Et jusqu'à ce qu'il arrive à payer le prix par rapport à un engagement qu'il avait pris depuis le départ. On ne peut pas avoir une société puissante. On ne peut pas avoir une église qui marche lorsque au plus petit niveau des engagements, on ne les respecte pas. Nous nous comportons souvent comme des... mendiants dans l'église. Ce qui nous manque, c'est seulement avoir le boubou de Bartimée. Yes. Comment dans une maison tu peux commander la maison de ton propre père? Non! Un enfant de Dieu doit savoir que la vie chrétienne est basée sur le respect des engagements. Quand l'apôtre Paul disait qui nous séparera de l'amour de Christ, il a commencé à citer les choses et il a dit ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. C'est le respect de son engagement. Il est accroché à son engagement et il en paye le prix. Le respect des engagements commence par le respect de sa parole. Vous avez une église en bonne santé? C'est des gens qui disent: pasteur, je serai là à 11h30. Et à 11h30, ils sont là. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les gens cherchent. Mais nous sommes malades dans des petites choses. Très malades. Mais nous voulons les grandes. On veut changer le monde entier. Mais nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Un homme qui est dans un département et qui choisit les jours de venir dans ce département. Un homme qui a pris l'engagement de venir mettre la lumière tous les jours. Et il faudrait qu'on passe des coups de fil pour que lui vienne allumer. Celui qui a pris l'engagement de nettoyer la salle doit attendre tous les jours que quelqu'un le remplace pour le faire. Et cela fait que l'église ne fonctionne pas bien. Parce que à la base, les gens ne respectent pas leur engagement. Une église en bonne santé est basée sur des hommes qui respectent leur engagement. Notre société est malade. Notre église est malade parce que nous ne sommes pas comme Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci: au commencement était la parole. Écoutons bien. Au commencement était la parole. Pardon? La parole. La parole. Et la parole? Pardon? Au commencement était la parole. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, la parole était avec Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Et la parole était quoi? Dieu. Amen. Trois choses. Au commencement, la parole. Mais la parole, c'est ce que vous écoutez. Ça sort de ma voix. Mais au deuxième niveau, ma voix c'est moi. Ma voix est avec moi. Si quelqu'un me connaît et qu'il passait ici sans m'avoir vu, mais par la tonalité de ma voix, il peut dire: ça c'est Ninos. Parce que
ma voix c'est moi. Je dois savoir que je suis un avec ma parole. Mais ce n'est pas seulement que ma parole est avec moi, mais la parole me fait. C'est-à-dire, je suis la parole. Ce que je dis, c'est ce qu'on voit. C'est ce que Dieu est. Or, nous sommes toujours deux ou trois avec notre propre parole. Ce que toi-même tu as dit, après un jour tu commences à te justifier. Mais ta parole doit être toi. Nous sommes dans une génération où le respect des engagements est un problème. On rencontre des femmes. Les femmes rencontrent les hommes qui se promettent des choses, mais on n'arrive pas à la fin. Pourquoi? Parce que c'est qu'on s'est dit. On n'est pas un avec ça. Amen. On n'est pas un. Et quand tu dis à quelqu'un, je vais t'épouser, c'est que tu as vérifié, non? Tu as mesuré ce que tu disais, non? Tu as réfléchi, non? Tu as analysé, non? Tu as compris, non? Tu savais ce que tu disais, non? Et tu n'arrives pas au mariage, tu t'arrêtes en route. Tu n'es pas un avec ce que tu dis. Parce que si tu étais un, ta parole allait t'amener jusqu'à ce que tu la réalises. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais toi, quand ta parole sort, tu t'engages. Mais est-ce qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'avais dit? David, va nous montrer quelque chose de très important. Il dit, l'Éternel est mon berger. Wow. L'Éternel est mon berger. Ça me touche. Ça me rend malade. Dieu n'est pas un berger. Parce que le berger n'est berger que sur les animaux. La relation de ce que David dit n'a rien à voir avec l'homme. C'est une affaire entre un animal et un berger. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Donc dans le sens figuré, Dieu ne nous voit pas comme des humains, mais nous voit comme des brebis. Parce que pour qu'il soit notre berger, nous devons partir de l'étape humaine pour devenir animal. Et ce sont les animaux qui ont besoin d'un guide. Les humains n'ont pas besoin de guide. Amen. Parce que moi, pour aller vers le frère, je n'ai pas besoin d'une télécommande. Mais nous allons découvrir la puissance qu'il y a dans ces versets. Et nous allons comprendre la relation qui existe entre Dieu et l'homme. La brebis que nous sommes. La brebis que tu es. D'abord, cela montre un esprit d'appartenance. Un esprit d'appartenance. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire il accepte qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il accepte
est-ce qu'il y a quelqu'un qui est son maître? Il accepte qu'il y ait quelqu'un qui soit désormais son conducteur. Il est mon berger, donc je suis sa brebis. Alors maintenant, il va expliquer dans les versions qui suivent comment cette relation doit être vécue. Alléluia. Amen. Comment la relation berger-brebis existe-t-elle? L'église n'est pas un endroit de bouc. C'est un endroit de brebis. Et nous sommes dans l'assemblée vie de l'agneau. Donc je suis content de pouvoir parler de ces choses. Frères et sœurs, quand vous voyez David dire, je ne manquerai de rien, c'est une conséquence. Ce n'est pas un droit. Amen. Mais c'est une conséquence. Kasizalimbano. Mais une conséquence de quoi? Mbano ya makambonini. Une conséquence d'appartenir d'abord. Mbano ya kozala na sabo dondu iliboso. Il n'a pas commencé par dire je ne manquerai de rien. Non. Il a d'abord commencé par tracer sa relation. Et on ne peut pas être brebis si on n'est pas dans une bergerie. Parce que les brebis ne sont pas des animaux qui vivent dans la rue. Les brebis sont des animaux qui vivent dans un enclos. Ce sont des brebis, des animaux qui appartiennent à une maison. Ce sont des animaux solitaires et familiales. Ce ne sont pas des animaux neutres, isolés des autres. Les brebis sont des animaux qui vivent dans la communion. Donc David, quand il dit il est mon berger, c'est qu'il sait qu'il est dans son enclos. Il est dans sa maison. Or, il y a beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas de maison. Mais Dieu, avant de te compter, il voudrait d'abord que tu appartiennes à une bergerie. Le combat de Jésus en venant sur la terre, c'est dans Jean chapitre 10 verset 16. Il dit il n'y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. J'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faudrait qu'il y ait un berger et qu'il y ait un troupeau. Mais donc la première nature pour reconnaître que nous sommes dans une église en bonne santé, c'est parce que nous montrons et témoignons notre appartenance à la bergerie. Il faut montrer son appartenance. Quand je suis membre de l'assemblée vie de l'agneau, je dois l'affirmer. Et si je l'affirme, ça veut dire que dans cette maison il y a un berger que je reconnais comme mon pasteur. Parce que tout le monde ne peut pas être ton pasteur. J'ai eu quelqu'un à l'église qui est venu. Et chaque fois, il disait, il a un son père spirituel. Il dit, mais c'est qui ton père spirituel? Il dit, Renard Bonke. Je lui ai dit, c'est très bien. Alors que Renard Bonke vienne t'imposer les mains. Et que Renard Bonke vienne jeûner pour toi. Que Renard Bonke vienne te prêcher tous les jours. Ça, c'est une forme de perdition. Des gens qui ont des pasteurs par luxe. Il n'a pas de contact avec un berger. Il n'a pas quelqu'un auprès de qui il soumet ses problèmes. Il a un pasteur virtuel. Il a un pasteur qui est éloigné de lui à plus de 1 million de kilomètres. Mais il ne lui donne pas sa dîme. Le pasteur là aussi ne le connaît pas. Il n'y a que toi qui connais le pasteur parce que tu le vois à la télé. Mais la relation de bergerie, ce n'est pas une
une relation de luxe. La fille de l'église n'est pas une fille de luxe. C'est une fille de proximité entre le berger et la brebis. Il faut ressentir la chaleur. Le berger, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de la brebis. Non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand l'église grandit, il faut éclater l'église et mettre les chefs de 100, de 50, pour qu'il y ait toujours proximité. C'est-à-dire, ce n'est pas bien d'être dans une église où tu ne peux pas saluer ton propre pasteur. C'est dangereux. Yes. Amen. La bergerie. Une église en bonne santé, c'est un enclos dans lequel les hommes et les femmes y vivent. Et nous voyons David à la fin le dire. Il dit, et j'habiterai, je vivrai dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est sa maison. Ils se sont concernés par cette maison. Il n'est pas étranger. Il n'est pas visiteur. Il ne vient pas pour assister. Mais il prend part à la vie active de l'église. Amen. Le berger. L'Éternel est mon berger. Est-ce que tu acceptes une autorité sur toi? Vous savez, une église en bonne santé respecte l'autorité et accepte l'autorité. Vous savez, les gens qui ont manqué de père dans la vie sociale ont du mal à se soumettre à des pasteurs dans l'église. Les gens qui n'ont pas eu d'influence, qui n'ont jamais eu quelqu'un qui les a influencés, quand ils viennent à l'église, vous allez les sentir. Vous allez les sentir. Donc ils pensent que l'argent qu'il a l'empêche d'être soumis sous quelqu'un. En fait, ce n'est pas l'argent qui développe ses caractères. C'est le manque d'influence. Quelqu'un n'a jamais été influencé. Quand on vient à l'église, même si on est général, eh bien, la discipline, c'est l'âme d'une armée, n'est-ce pas? Yes. Donc si dans l'armée tu es discipliné, l'église aussi est une armée. Amen. Quand tu arrives, on doit sentir la discipline que tu acceptes. J'aime beaucoup les militaires. Parfois, il voit quelqu'un plus gradé que lui. Parfois, le messager ne suit même pas. Mais comme ça fonctionne comme ça, il va saluer les chefs. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie de soumission. Ils connaissent c'est quoi la puissance d'être soumis à l'autorité. Et quand nous sommes à l'église, nous devrons apprendre à nous soumettre. Pourquoi il faut se soumettre? Parce que la brebis ne se conduit jamais seule. C'est l'un des rares animaux qui ne peut pas vivre sans un maître. C'est un animal qui dépend à 100% du maître. Ouais. Amen. La brebis, ce n'est pas le mouton. Yes. Ce n'est pas la chèvre. Azali nyama mosusu. Ce n'est pas le cabri. Yes. Quand vous voulez l'amener à l'abattoir, il ne se bat même. C'est-à-dire que vous sentez que on le tire, il ne peut pas partir. Yes. Mais la brebis, la Bible dit que lui, quand il avait pris la forme de la brebis, il était semblable à une brebis muette, à un agneau muet. Yes. Qu'on amène à l'abattoir sans avoir ouvert sa bouche. Quand les chrétiens viennent à l'église avec déjà une position, donc tu es un bois. Tu es un bois. Un bois. Que le sculpteur veut donner une forme,
Mais tu refuses la forme que le sculpteur te donne. Quand on avait taillé ici pour créer un peu la forme des yeux, tu dis non, pas ici, ne touchez pas ici. Non, ce n'est pas là. Et donc on a déjà des positions. Mais on ne peut pas être dans la maison de Dieu et avoir déjà des positions. Il y a même des gens qui ont des positions et des messages préférés. Ils ont des messages préférés. Le pasteur, ces derniers temps, prêche trop sur ça. Hein? Toi, tu as déjà prêché combien de personnes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Parce que je suis dans sa maison. Et je suis soumis à son autorité. Mais l'autorité de Dieu, on ne l'a jamais vue que par l'homme qu'il vous a donné comme berger. Et si tu appelles Dieu berger, c'est que tu vois tous les jours Dieu par le pasteur Jean de Dieu. Maintenant, si tu n'as jamais vu Dieu par lui, c'est que tu n'es pas encore brebis. Parce que Dieu te donne un homme physique pour te conduire. Mais si tu ne vois pas Dieu par lui, tu le verras seulement debout ici et tu t'arrêtes à voir le pasteur. Mais il n'est pas que le pasteur. Il est celui que Dieu a envoyé pour te paître. Et l'agneau est un animal qu'on paît. Et vous allez voir maintenant la suite dit ceci. La suite de ce verset dit ceci. Découvrons. Il dit, je ne manquerai de rien. Puisque je suis dans une maison et qu'il y a un maître, ça veut dire, je ne m'inquiète pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se soucie de moi. Il ne dit pas que je ne manquerai de rien. Parce qu'il est fort. Mais c'est parce qu'il a un berger. Et c'est le berger qui lui rassure ce pain. C'est ce berger qui sait qu'il a faim. Et c'est ce berger-là qui pourvoit à ses besoins. On ne peut pas être enfant de Dieu et manquer. Pourquoi on ne peut pas manquer? Parce que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. Si Dieu est invisible, il nous a donné un homme. Mais cet homme est le pourvoyeur. D'abord de la nourriture spirituelle. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais à quel moment l'homme est nourri? C'est quand il est avec les bergers. Quand tu n'as pas de berger, tu manqueras. Mais quand tu as un berger, tu ne manqueras de rien. Parce que le berger priera pour toi. Le berger t'annoncera la parole. Le berger te donnera un cadre pour prier. Voilà pourquoi il dit, je ne manquerai pas. Quand tu as un berger, tu ne manqueras pas d'église. Quand tu as un berger, tu ne manqueras pas de servir Dieu. Quand tu as un berger, tu ne manqueras pas d'écouter la bonne parole. Quand tu as un berger, tu seras protégé. Parce qu'un animal ou un chien qui n'est pas dans une parcelle, vous voyez comment il galère pour manger. Ils font de poubelle en poubelle chercher la nourriture. Amen. C'est pas vrai? Yes. Un chien qui n'est pas dans une maison, vous voyez comment il galère. Il mange dans toutes les poubelles. Et comme il n'est pas dans une maison, n'importe qui peut prendre une pierre et fixer sur lui. Maintenant, un chien qui est dans votre parcelle, un, vous prenez soin de lui. Deux, vous le nourrissez. Et trois, vous veillez sur le chien. Il est en bonne santé. Hey! Amen.
Si tu n'as pas de berger, n'importe quelle personne te rencontrera dans la rue et te donnera des prophéties. Mais tu n'as qu'à vérifier ou pas. Tu es exposé à tous les risques. Quand tu n'as pas de berger, tu es exposé à tous les risques de toutes les doctrines. Ouais. Amen. Tu seras dans la confusion. Parce que tout le monde peut te dire ce qu'il pense. Ouais. Donne-moi un puissant amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Rien. À partir d'aujourd'hui, on doit changer ça. Amen. Parce qu'il y a des gens dans la rue qui disent, non, moi je ne manquerai de rien. Est-ce que toi tu es une brebis? Est-ce que yo zali mpate? Et toi tu veux t'approprier des bénéfices des brebis? Ça, ce sont les bénéfices des brebis. Ce sont les bénéfices des gens qui sont dans une maison. Tu seras assuré. Tu auras la protection. Tu auras l'assurance de la guérison. Parce que tu es dans une maison où il y a un berger. Et regardons la suite du verset, dit ceci. Il me fait reposer. Waouh. Il me fait. Ce n'est pas la brebis qui va se faire reposer. Non. C'est une vie de dépendance. La vie chrétienne n'est pas une vie libre. Enlevons ça dans la tête. Ce n'est pas une vie de liberté. C'est une vie d'appartenance. Et comme j'appartiens à une église, à ce moment-là, le berger, il peut me prendre et il va me faire reposer. Mais il me fait reposer où? C'est le berger qui connaît les endroits où il peut amener les brebis. Ce n'est pas la brebis qui imagine là où il peut aller trouver les vers pâturages. Le vrai chrétien n'est pas celui qui connaît là où se trouve la parole. Mais le vrai chrétien est celui qui sait que son pasteur a la parole et il va lui montrer le chemin de la parole. Amen. Amen. Il me fait reposer. Le berger sait que la brebis est un animal vulnérable. Sans force. Donc c'est quelqu'un qui veille sur l'animal. Quand vous voyez un pasteur ne pas veiller sur son troupeau, c'est un mercenaire. La Bible est claire. Amen. La Bible est claire. Amen. Les vers pâturages, c'est là où les brebis mangent. Et vous voyez, la Bible dit, dans Jean, il dit, le berger ouvre la porte. Et les brebis sortent. Jésus ajoute ceci. Mes brebis. Waouh, il dit, mes brebis. Mes brebis. Yes. Mes brebis entendent ma voix. C'est pas ce que la Bible dit? Yes. Mes brebis entendent ma voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Je répète, ma voix. Quelle est la voix de ton berger? Est-ce que quand ton berger parle, tu sais que ça c'est la voix du berger? Parce que le berger a une voix. Mais les brebis s'identifient à la voix de leur berger. Elles entendent ma voix. Elles me reconnaissent. Et elles me suivent. Les vrais enfants de Dieu savent que dans le monde spirituel, l'oreille est une porte. Amen. C'est par l'oreille qu'on peut recevoir une grossesse spirituelle. C'est par l'oreille qu'on peut trouver le chemin. C'est par l'oreille qu'on peut sortir du chemin. Il dit dans Jean 10, verset, dans Romains 10, verset 17,
La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? On peut avoir une foi négative en fonction de ce qu'on a écouté. Parce que si tu écoutes les mauvaises choses, ça peut produire la foi. Mais la foi que ça produira, c'est une foi négative en fonction de la qualité des informations reçues. Si tu as trop écouté l'évangile des démons, toute ta foi va être basée sur les démons. Si on t'explique que les démons, leur signe c'est comme ça, leur nom c'est comme ça, les démons agissent comme ça, toute ta vie tu n'as appris que les démons, tu auras une grande foi sur les démons. Mais si on t'a prêché sur l'autorité de Dieu, sur le pouvoir de Dieu, sur le diable, les démons, tu auras aussi une très grande foi basée sur l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va, il y a des gens, s'il ne fait pas prière d'autorité, c'est qu'il n'a pas prié. S'il n'a pas chassé. S'il n'a pas calciné. S'il n'a pas lié. S'il n'a pas renversé. Donc il n'a pas prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais nous devrons savoir que le berger a une voix. Mes brebis entendent ma voix. La brebis est dirigée et conduite vers les eaux, vers les verres. Il me fait reposer. Le berger travaille à l'affermissement des gens. Une église en bonne santé est composée des hommes et des femmes affermis. Des hommes et des femmes qui s'asseyent, qui sont assis. Mais assis dans quoi? Dans la parole, dans la connaissance de la parole, dans la méditation de la parole. Ils avalent la parole, ils écoutent la parole, ils affectionnent la parole, ils aiment la parole, ils passent le temps à méditer la parole. Et ensuite il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Non seulement qu'il me fait reposer, mais il me dirige. Diriger veut dire accepter d'être derrière quelqu'un qui te montre le chemin. Amen. Diriger signifie je suis derrière, toi tu es devant et tu me montres le chemin. Une brebis ne connaît pas le chemin. Une brebis est derrière le berger. Et c'est le berger qui sait que là il y a les eaux paisibles. Parce que les vrais brebis ne boivent pas de l'eau dans des endroits agités. Quand l'eau est agitée, la brebis ne s'approche pas. C'est le berger qui est devant, qui épargne la brebis du danger des eaux agitées. Donc il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils vont là où ça lui semble bon. C'est quand on va lui faire des choses là-bas qui commence à dire les pasteurs sont mauvais. Tu es allé là-bas sur les commandations de qui? Parfois d'autres personnes, il est membre d'une église. On le cherche maintenant à l'église. Il n'est pas. Il est parti dans une église de son choix. Arrivé là-bas, on lui a prêché des doctrines compliquées. Et là, il se rend compte qu'il est dans un endroit où les eaux sont agitées. Et il y a maintenant la confusion entre ce qu'il écoute chez lui et ce qu'il est en train d'écouter là-bas. C'est pour cela que dans une famille des brebis, tout le monde prie au même endroit. Amen. Il n'y a pas de amen? Amen. Dans une famille de brebis, pasteur, tout le monde suit la même route. C'est pas quand le berger ouvre la porte, le papa est allé à gauche,
La maman à droite. Le petit va là où il semble. Non. Les brebis. Toute la famille va au même endroit, mange la même nourriture et boivent la même eau. Maintenant, je te pose la question. Où est ton fiancé? Où est ta fiancée? Où est ton père? Où est ta mère? Le matin, vous vous réveillez. Chaque dimanche, chacun. Et quand vous vous retrouvez le soir à la maison, il n'y a pas moyen de faire partage. Parce que vous avez diverses opinions dans votre maison. Et la prochaine guerre spirituelle va naître de là. Comment un couple, madame prie ailleurs, monsieur prie ailleurs. Vous avez quelle vision pour votre couple? Vous allez où? Vous allez débattre sur quoi? Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. C'est bon? Amen. C'est la vérité? C'est la vérité. Ça ne choque pas, non? Ça ne choque pas, hein? Non. Ah. C'est la vérité. Alléluia. Amen. On ne peut pas être enfant de Dieu et manquer cette discipline. Je vais vous scandaliser un peu. Vous savez que permettez que je le dise. Un enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un qu'il doit écouter, beaucoup, tout le temps et souvent, toujours, c'est son pasteur. Amen. Tu ne peux pas avoir dans ton portable plus de prédications d'un autre pasteur que ton pasteur. Amen. Pasteur, je suis à la maison. Pasteur, nazali nandaku. Je vivais avec un frère. Nazobi kana na frère moko. Et tous les jours. Tango nyonso. Dans mon propre salon. Na katia salon nanga. Sur mon canapé. Na canapé nanga. Ma propre télécommande. Na télévision nanga. Sur ma télévision. Le frère là. Ne komo ba. Du matin au soir. De tongo tipo quoi. Écoutez un pasteur. Azola na pour qui il était très fan. Azaki fan ma. Sur son profil WhatsApp. Na profil na WhatsApp. La photo de ce pasteur. Photo ya pasteur wana zongi. Sa sonnerie. Sonnerie na. C'est la prière de ce pasteur. Lo samba ya mobateli wana. Mais le pasteur la vit à Abidjan. Mobateli wana za na Abidjan. En Côte d'Ivoire. Mosika na Côte d'Ivoire. Quand il fait même les publications. Tango saka ba publications. Ce sont les publications de ce pasteur. Ezaka ba publications pasteur wana. Un jour je rentrais à la maison. Mokolo wana zongi na ndako. Je vois comme ça. Na moni ebo. Les frères avec un cahier. En train de prendre note. Azoko mama te. Parce qu'il a mis la clé USB. A tie flash. En train de suivre le pasteur prêcher. Azola na mate a ma. Je lui ai dit frère. Na bisi ndeko. Tu ne peux pas être méchant jusqu'à ce niveau. Oki koza motema ma bete ki na tango. Non, je ne suis pas enseignant. Nga na za mola ki cité. Je ne t'interdis pas. On a pas mais tu en fais trop. Olekisi bandelo. Tu en fais trop. Olekisi ndelo. Jamais tu ne m'as réveillé. Otira ko la musanga. Vous me dites prophète, j'ai lu tel verset. Koto nanga ete na. Je n'ai pas compris. Na su verset on a so. Donc tu as tellement d'amour pour le pasteur. Ozala bolingo miko le kapona yi. Que moi-même je me pose la question, est-ce que vraiment je suis ton pasteur? Na zo mi to na so na za mo bate na yo ya solo. Et c'est ce que peut-être certains parmi vous font. Tango mo so so batu mi so ka tena biso ba sala ka yango. Yes. Jamais vous allez voir la technique avec une clé USB. Mettez-moi la prédication du dimanche passé. Prédication à pasteur. Vous n'avez que des adorations. Et des gospels. Dans ma gospel. Je passe pas une heure du temps avec le gospel, non? Ça ne me fait pas grandir. Amen. L'adoration ne fait pas grandir quelqu'un. Ah. Amen. Vous voyez? Parce que l'adoration. Koyemba. Tu répètes, non? Tu sais ce qu'on a chanté, non? Tu sais ce qui a été dit dans ce cantique? Donc quand tu l'écoutes chaque jour, qu'est-ce qui s'ajoute? Mais quand tu écoutes la parole,
La parole ne fait pas la même chose. Tous les jours, tu grandis. C'est pour ça que l'église est malade. Je ne parle pas de l'église. Ici, je parle de l'église. Où n'importe quoi rentre. Les gens viennent pour... C'est bien le moment d'adoration. Nous les rendons à Dieu. Nos cœurs s'inclinent. Mais nous avons besoin de la parole. Il faut la parole. Parce que la parole nous montre le chemin. La parole nous amène à être dirigés. La parole taille nos caractères. La parole améliore nos vies. La parole nous positionne. La parole nous donne le pouvoir de Dieu. La parole, c'est la chose qu'il faut affectionner. La chose qu'il faut affectionner, frères et sœurs, amen. Une église en bonne santé pour ce soir est une église des gens responsables. N'attendez pas de grandir pour devenir responsable. N'attendez pas de grandir pour bien gérer, mais gérer bien pour bien grandir. Il y a des gens qui attendent de grandir pour être responsable. Mais David à 17 ans est dans un champ. Seul, il apprenait la vie de l'adulte. La deuxième chose, une église en bonne santé, c'est une bergerie. C'est une bergerie. On ne dit pas c'est un pour. Comme là où on garde le porc, c'est où? Pourceau. Porcherie. Porcherie, merci. C'est pas une porcherie. S'il vous plaît, l'église n'est pas une porcherie. L'église est une bergerie. Amen. Et non seulement que c'est une bergerie, c'est un lieu hôtelier. Vous savez, dans la parabole du Samaritain qui est tombé, du bon Samaritain. L'homme qui est tombé entre les mains des brigands, la Bible dit que le Samaritain l'a ramassé et l'a amené dans un service hôtelier. Autrement dit, un endroit où on traite l'homme. Nous tous, nous étions malades. Avant de venir à l'église, la vie nous a donné des coups. Certains se sont retrouvés chanvreurs. Certains se sont retrouvés prostitués. Certains se sont retrouvés bagarreurs. Nous étions des païens. Donc abandonnés dans la rue jusqu'à ce que le bon samaritain Jésus-Christ soit de passage, nous ramasse dans cet état et nous amène dans la bergerie. Pourquoi dans la bergerie? Parce qu'il y a un berger qui va nous soigner les plaies. Quand tu viens à l'église, quel que soit ton état, tu ne vas pas demeurer comme ça. Parce qu'il y a un guérisseur en ces lieux. Parce qu'il y a un médecin en ces lieux qui te traitera. Il traitera ton caractère. Il traitera ton cœur. Il traitera ton problème de colère. Il traitera ton problème de gestion. Il traitera ton problème de foyer. Il traitera toutes ces choses. Parce que nous sommes dans une hôtellerie. Tu ne resteras pas malade. Dans l'église, quand tu viens malade, tu ne resteras pas malade. Parce que dans l'église, il y a le berger. Dans l'église, il y a de l'huile pour oindre les plaies. Dans l'église, on guérit les cœurs. Dans l'église, on transforme l'homme. Dans la bergerie, nous avons besoin d'être des véritables brebis. Il nous faut trouver la bergerie. Il nous faut trouver le berger. Qui est ton berger? Auprès de qui tu poses tes problèmes? Qui prie pour toi? Qui jeûne pour toi? Comment il s'appelle ton pasteur? Où vit-il? Quel est son numéro de téléphone? Est-ce que tu connais toutes ces choses? Ne sois pas dans le suivisme. Ne sois pas dans le suivisme moderne. Aujourd'hui, tout le monde se comporte comme il veut. Dans l'église, il y a une éthique. Amen. Dans l'église, il y a une vision. Ta vie prendra la forme en fonction de la bergerie à laquelle tu appartiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous avons nos deux mains levées.
Nous continuerons demain. Nous levons nos deux mains. Quelqu'un va prier après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est faible. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. J'ai compris. Je t'en prie. Qu'une église en bonne santé. Qu'une église en bonne santé. Doit être fondée. Doit être fondée. Sur ma personne. Sur ma personne. Et sur mon sens de responsabilité. Et sur mon sens de responsabilité. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Ma responsabilité. Ma responsabilité. Commence. Commence. Par le respect de mes engagements. Par le respect de mes engagements. Fais de moi un homme ou une femme. Si tu es femme, tu dis femme. Fais de moi un homme. Fais de moi un homme. Qui honore. Qui honore. Ses engagements. Ses engagements. Apprends-moi. Apprends-moi. À honorer mes engagements. À honorer mes engagements. Au plus petit niveau où tu m'as déjà placé. Que je respecte ma parole. Que je respecte ma parole. Apprends-moi à être un. Apprends-moi à être un. Avec ma parole. Avec ma parole. Quand j'ai parlé. Quand j'ai parlé. Que ma parole m'engage. Ma parole m'engage. Quand j'ai parlé. Quand j'ai parlé. Que je veille sur l'exécution de ma parole. Je veille sur l'exécution de ma parole. C'est en cela que mon église. C'est en cela que mon église sera en bonne santé. Sera en bonne santé. J'ai des engagements. J'ai des engagements que j'ai pris à l'église. Que j'ai pris à l'église. Que je n'honore pas souvent. Que je n'honore pas souvent. Même le respect de l'heure dans le culte. Même le respect de l'heure dans le culte. Je ne viens pas à l'heure prévue. Je ne viens pas à l'heure prévue. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. À respecter mes engagements. À respecter mes engagements. Vis-à-vis de ma famille. Vis-à-vis de ma famille. Vis-à-vis de mes enfants. Vis-à-vis de mes enfants. Vis-à-vis de mes parents. Vis-à-vis de mes parents. Vis-à-vis de mon pays. Vis-à-vis de mon pays. Fais de moi un homme d'engagement. Fais de moi un homme d'engagement. De grandes responsabilités. Seigneur Jésus, la deuxième chose, tu m'as donné une bergerie. Fais-de-moi une brebis. Donne-moi la vie de la brebis. Que j'apprenne à marcher. Que j'apprenne à marcher. En acceptant qu'on me dirige. En acceptant qu'on me dirige. Je veux accepter, Seigneur. Je veux accepter, Seigneur. D'être dirigé. D'être dirigé. Par mon berger. Par mon berger. Car je sais. Car je sais. Que tu l'as envoyé pour me guider. Que tu l'as envoyé pour me guider. Tu l'as envoyé pour me diriger. Tu l'as envoyé pour me diriger. Que désormais. Désormais. Cet endroit. Cet endroit. Ne soit pas regardé comme seulement l'église. Ne soit pas regardé comme seulement l'église. Mais que cet endroit. Mais que cet endroit. Soit regardé comme mon hôpital. Soit regardé comme mon hôpital. Où je viens pour être traité. Où je viens pour être traité. Où je viens pour être transformé. Où je viens pour être transformé. Où je viens pour être guéri. Où je viens pour être guéri. De tous les coups que la vie m'a donné. De tous les coups que la vie m'a donné. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À être dans la bergerie. À être dans la bergerie. Et que tu sois mon berger. Et que tu sois mon berger. Afin que je ne manque de rien. Afin que je ne manque de rien. Alléluia. Merci de m'aider. Merci de m'aider. À faire que mon église. À faire de mon église. Soit en bonne santé. Soit en bonne santé. Merci de m'aider. Merci de m'aider. À ne pas à être une casse-tête. À ne pas être une casse-tête. Pour mon berger. Pour mon berger. Je ne veux pas être un bouc. Je ne veux pas être un bouc. Mais une brebis. Mais une brebis. Qui est soumise. Qui est soumise. À l'autorité. À l'autorité. Et qui marche. Et qui marche. Selon les voies tracées par le berger. Selon les voies tracées par. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De poursuivre ce séminaire. De poursuivre ce séminaire. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.